Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Tell Me Why. On va commencer le début du chapitre 2 ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire. On est à l'épisode 4 si je ne dis pas de bêtises. 4 ou 5, mais je crois que c'est 4. Je ne sais pas, j'ai un petit doute. Mais du coup, on est parti pour la suite et découvrir le chapitre 2 ensemble. Let's go les amis, à tout de suite. Forêt profonde et ancienne, deux gobelins malins qui vivaient paisiblement. Les gobelins malins faisaient tout ensemble, jusqu'au jour où des ténèbres submergèrent la grande maison en bois dans laquelle ils vivaient. Accusé d'avoir amené les ténèbres, le frère fut forcé de quitter la forêt, tandis que sa sœur dut y rester. Dix ans plus tard, ils furent enfin réunis. Et ensemble, ils décidèrent d'affronter les ténèbres dans la grande maison en bois. Bien qu'ils aient demandé de l'aide à leurs amis de la forêt, ils se sont rendus compte que personne ne voulait se plonger dans ce passé lointain. Les gobelins se retrouvèrent donc tout seuls dans la forêt pour comprendre pourquoi les ténèbres avaient submergé la grande maison en bois. Demain, on joue à boussole et étoile du nord dans les bois. Faudra mettre ton chapeau. Toi, faudra que tu mettes le tien. Bon, qui veut de la glace? Moi! Bon app! Sans dire un mot, elle sortit et c'est à cet endroit qu'elle enterra le diadème. Tandis que la dernière poignée de terre retombait, la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdu, et avec lui, le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux, mais une femme éplorée seule dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son bien le plus précieux. Et son titre. J'aime pas cette histoire. C'est vraiment trop triste et il n'y a pas de gobelins. On la lira plus alors. Je t'aime, maman. Pas moi. Non, je rigole. Je t'aime, maman. Mouah. Je vous aime aussi. Faites de beaux rêves, mes amours. Oli? Oli? Quel gâchis. Alison ! Oli ? Alison, au secours ! Maman.
tu sais, ça va aller. Ça va? Je pensais qu'en venant ici, on fermerait un chapitre de nos vies, tu vois? Mais en fait, on a juste découvert l'horrible chapitre précédent. Bon. Non. Ça suffit, on va pas se relancer là-dedans. Allez, debout. Rien de tel que de faire du ménage pour oublier ses soucis. Oh, on peut pas plutôt prendre un café? Non. Debout, soldat. Allez, on fait le tri parmi les meubles et on lâche les cartons. Si on avance bien, je te conduis en ville et je t'achète un pot de glace. Menthe pépite de chocolat. Deux pots. Au boulot. Ok. Le gobelin, on garde. Le dollar, on donne au vent. Et la poubelle, pas un poubelle.
Au fait, j'ai nettoyé le plus gros de la salle de bain ce matin, mais je t'ai laissé les toilettes. C'est gentil, mais fallait pas. Table moche et chaise bancale. On peut vendre. Ça pourrait nous rapporter quelques dollars de la vendre. En plus, je mange quasiment toujours sur le canapé, alors... Bah oui, oh, j'adore ce petit jeu là. Oh, c'est... La vache, ça pue. Merde. Ah, les souvenirs, ok, j'avais perdu la touche. Oh, ça pue ici. Ça sent bon la vieille poubelle. Oui, la vieille poubelle. Ou bien, c'est à cause de Sam pue du cul. Oh, Sam pue du cul. Ça suffit. Sam vient de chasser une moufette de notre grange, alors... Soyez sympa. Une moufette? Il lui a pas fait de mal, au moins. Elle va bien? T'inquiète pas. Elle est rentrée pour chercher à manger et elle s'est perdue. Il fallait seulement que quelqu'un la pousse vers la sortie. Sam Kansky, héros sauveur de moufettes. Je me rappelle qu'il m'avait impressionné. Après, je voulais devenir sauveteur d'animaux sauvages, moi aussi. Trop mignon. Alors, ouvrir, bon. T'as faim? On a... plein de rien du tout. Oh, j'avais très envie que tu me prépares ce fameux... sandwich, cornichon, ketchup. Pas de cornichon. Désolé, monsieur. Nous n'avons plus de cornichon. Puis-je vous proposer un sandwich ketchup uniquement? Je vois qu'il nous reste une petite bouteille. Oh. Dis le mec qui mettait du vinaigre sur son beurre de cacahuète. Un délice. Électroménager d'époque, ça reste là. Quoique, il a l'air encore en bon état, ce four. Pas question. On ne déplace pas le four. Ok, ok. Examinez. Ouais, bon, ça, c'est pas très... Ok. Je pourrais transformer ce truc en terrarium. Hey, tu te souviendras ta plan? Ah. Souvenir. Des lasagnes. Finissez votre salade d'abord. Merci, Tessa. Tu me sauves la vie. Oh, mais non, c'est rien du tout. C'est des restes qui viennent du restaurant. Et Rataplan, alors? Lui aussi, il a besoin de manger. Oh, mais tu as tout à fait raison. Oh, je lui donne mon maïs. Tiens, petit gourmand. Tu dois avoir faim, toi aussi. Tessa avait l'air vachement moins coincée à l'époque. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est... un chewing-gum? Berk. C'était sans doute le mien. Ok... on va regarder la table. Allez! Allez! Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ouais, on peut le garder. C'est sympa. Ça coûte cher, une table. Et en plus... c'est une série limitée, Allison et Tyler. Hey. Oh, dégueu cette tâche. Ah, c'est quoi, tu penses? Un récipient malencontreusement renversé qui a signé la fin de nos goûters à l'intérieur. J'ai caché la tâche avec mes jouets, en oubliant qu'il pourrait finir par être ramassé. Très malin, Ronan. Tu valais pas mieux. On peut parler de la fois où t'as volé un œuf et que tu t'es assis dessus sur le canapé dans l'espoir d'avoir un poulet? Non, on peut pas en parler. En tout cas, j'ai pas fait tâche, moi. Alors, examinez. Je crois qu'il est plus que temps d'enlever ces photos. Ouais, je réfléchis encore à ce que j'en fais. Ce sont des bons souvenirs, quand même. Pour la plupart, c'est des bons moments. Ouais. Échoue sur celle-là. C'est pas moi. Enfin, si, mais... mais pas vraiment. J'ai compris. Ça me fait bizarre de me revoir là, comme ça. Waouh. C'est juste une photo, mais elle me fout le cafard. Désolée pour toi. Ça a dû être dur. Ouais.
Enfin, c'est bon maintenant. Tu sais, je vais vachement mieux qu'avant. Mais il y a encore du chemin avant que je puisse me montrer torse nu. C'est pour ça que dès qu'on aura vendu la maison, je fais la mammectomie. Fini de mettre un binder tous les jours. J'ai tellement hâte, je te jure. Ouais, j'imagine. Au fait, je serai là pour t'aider quand tu la feras. Je ferai tout ce qu'il faut. Merci. Bon. Alors, ta décision, Ronan ? Je vais en garder quelques-unes. Pour me rappeler du chemin parcouru. Oh, je l'adore, celle-là. Pourquoi j'ai l'air énervé ? J'aimais bien ça, je me rappelle. Peut-être parce que Marianne t'avait mis son appareil photo sous le nez. Ok. Un petit souvenir. Chaton, souris, comme Allison. Lève bien ton poisson. C'est plus mon poisson. Allison me l'a volé. Ma sœur, la voleuse de poissons. Tu faisais le gamin gâté. C'est vrai, ça ? Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aider à le nettoyer sur le porche. Edith t'a obligé à partager. D'accord. Franchement, Allison, ça fait 3 fois que je te demande de nettoyer la table basse. Ah, oups, j'ai zappé. Ok, Ok, où doit-on aller par contre ? Oh, ah, cette petite table-là, là ? Allons-y, hein. Soyons foufous, c'est nettoyons. Bon. Je vais la nettoyer. Merci. Pendant ce temps-là, je m'occupe des meubles. Je suppose que tu gardes la table basse ? Et toi ? Si tu veux quelque chose, dis-le. Je compte pas emporter de meubles à Denali. Et si j'ai besoin de crécher à Juno, t'auras tout ce qu'il faut. C'est bien de pas se mouiller. Ok, je la garde. Ok. Je l'aime bien, ce fauteuil. Lequel ? Ah, oh putain, le vieux ! Pourquoi t'as... pour ta cabane en forêt ? Tout bien réfléchi, laisse tomber. Ouais, si, on va garder. On pourra peut-être le nettoyer à fond ? Et enfin, désolé de le dire, mais le canapé va finir ses jours dans une décharge. Pas d'objection. Je ne peux plus avoir de cartilage au genou après 10 ans à me cogner régulièrement sur les coins. Bon, ben c'est bon pour le salon. Vous êtes relevé de vos fonctions. C'est trop bien. Je suis un gamin, hein. Ouais. Tu vas continuer longtemps ? Ah, j'imagine que oui. T'amuses bien là ? Hey, ça. Allison, viens faire une pause avec moi. Ok, allons faire une petite pause après avoir joué avec la vache. Avec la vache. Avec la boîte à. Avec la boîte à meux. Eh bah go, hein. On va le rejoindre. Tu on va se détendre un peu. Ouais, je vais faire bouillir de l'eau. Tu veux boire quelque chose ? J'ai pas le choix. Café, thé. Ah, un petit café, tu préfères du café soluble ou du café soluble ? Non, désolé. Je suis plutôt amateur de thé. T'as compris ? Thé. Comme dans... Mm-hmm. Tu voulais la faire depuis quand, cette blague ? Depuis un certain temps, j'avoue. Oh, je suis contente qu'Eddie nous ait fourni en caféine. Chut, t'as entendu ? Le roi de glace nous met en garde. Punir, dit le roi de glace. Tu seras banni de la forêt. Et si vous osez revenir ici avant la nouvelle lune, mon courroux sera terrible. Le vent m'en est témoin. Ouch!
Tu crois vraiment que le roi de glace aurait réagi ainsi? C'est vrai qu'il est impressionnant, mais c'est un roi juste et jamais cruel. Oh oui, t'as raison. Peut-être qu'il ordonne aux gobelins d'aider les gens au lieu de les persécuter? Très bonne idée, ma puce. On y réfléchira pendant le dîner. Je vais ranger tout ça pendant que vous allez vous laver les mains. Tu peux les mettre dans le classeur pour pas les salir? Punir. Ah merde, j'ai déjà joué ça. Ah bah crotte. Ouais. Je ne sais pas quoi faire. Où doit-on aller du coup? Parce que moi j'ai pas capté, mais j'ai rejoint un autre souvenir alors que... Bah non du coup. Faut pas forcément ce souvenir là. Mais c'est un roi juste et jamais cruel. Oh oui, t'as raison. Peut-être qu'il ordonne aux gobelins d'aider les gens au lieu de les persécuter. Très bonne idée, ma puce. On y réfléchira pendant le dîner. Je vais ranger tout ça pendant que vous allez vous laver les mains. Ah oui, mais la question tu peux c'est. Les mettre dans le classeur pour pas les salir. Quel souvenir. Bien sûr, mon chou. Alors, on me dit que j'ai. Je continue à penser que ma version torturée était meilleure. On a passé tellement d'heures sur ce bouquin. Ah non, oui, apparemment, non, c'était pas le même souvenir. Et d'histoire pas terminée. Tu crois qu'il est encore dans le tiroir de la cuisine? On devrait aller voir. Bah oui, c'est ce que je comptais faire. C'est pour ça que je comprenais pas. Non? Pas celui-là? Ok, je comprends pas. Ah, hein, non, bah non. Quoi? Ah, bah d'accord, c'est lui qui le fait à ma place. Je note. Je comprenais pas. Premières ébauches d'Alison. Oh la vache. Tiens, comme si j'y avais pas contribué. Arrête. Je sais bien que si. J'en reviens pas qu'elle ait gardé tout ça. Ça aurait largement suffi de les aimanter sur le frigo pendant 2 semaines. Est-ce que tu te rappelles à quel point on se prenait pour les gobelins? T'as jamais eu l'impression que... Marianne, c'était peut-être la princesse de notre livre? Ben... si. Elle appelait sa chambre le sanctuaire de la princesse. Et... elle était toute seule dans les bois, dans cette maison, jusqu'à notre naissance. C'est vrai. Seule. Mais elle avait quand même quelques amis pour lui venir en aide. Tu fais quoi? Des recherches. Donc, si Marianne était la princesse, les autres c'était qui? Et voilà. Oh, allez, dis-moi. Comment ça? Ok, un autre souvenir. Eh ben, rebelote. T'as plein de souvenirs dans cette maison. L'ours. Non, c'était quoi? Si, l'ours. Attends, il y avait quoi? Attends, il y a quoi comme animal? L'ours, le pélican. Y a-t-il un pélican là-dedans? L'ours. Lire. Les gobelins. Il était une fois dans une faune, nanananana, deux gobelins malins qui étaient en ouais. J'en sais... Ouais, en vrai... La pélican. Elle était vraiment généreuse. Ouais. Il y avait toujours une astuce. Généreuse. On va échanger, du coup. Tu vas là. Parce que généreuse, elle était... Pauvre Orignal. On l'a pas raté, celui-là. La justice. C'est un peu ironique, non? Parce que c'était un bon samaritain? Dommage que la justice soit pas vraiment juste. Un petit poisson, ouais, ils ont été pêchés avec eux, et Sam, c'est quoi? En soi, Sam, c'est un chasseur, donc ça serait intéressant. C'est vraiment l'ours le plus utile. Toujours là au bon moment. Il l'observe. Quoi? Mais non. Je veux dire, il était toujours dans les parages. Toujours. T'as fini? Bah Sam, il chasse, non? Moi, je pense que je vais laisser ça comme ça. Hein. Franchement, j'ai pas envie d'échanger. Ok, je crois que c'est bon. T'es sûr? Oui, je pense. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je crois que tu tiens quelque chose. Et eux, alors? J'arrive pas à les imaginer dans la vraie vie.
Ou celui-là. Hein? De quoi? Ah! Ouais. Attendez. Dépêche-toi! Ou le chasseur fou va nous attraper! Faut qu'on se cache. Par ici! Qu'est-ce qui se passe? Oula! Je sais pas. Il est ici. Il est vraiment ici. Je sais pas. J'ai peur. Va-t'en! Ouais! Retourne dans la forêt! J'avais complètement oublié. On a toujours fait semblant qu'il était là. Et d'un coup, il est apparu. C'est la seule fois que c'est arrivé, c'est bien ça? Allison? Attends. Ça semblait super réel. C'était... Nous, qui allions trop loin dans nos délires. Super. Bonjour. Sam Kansky, le spécialiste du mauvais timing. Eh, on n'en a pas fini avec cette conversation. Bonjour, Sam. Salut, les gobelins. J'ai croisé le chef Brown qui m'a dit que vous commenciez à nettoyer la maison ce matin, alors... Je me suis dit que vous auriez besoin de matos. C'est... Merci. C'est gentil de ta part. Au fait, je t'ai fait un peu peur hier et je te demande pardon. C'est pas toi. C'est ton fusil qui m'a fait peur. Ouais. Bon, bref, je voulais aussi dire que je suis allé sur Internet et j'ai fait des recherches. Je savais pas la différence entre tous ces mots, tu comprends? Je suis pas très instruit, moi. Hein. Mais j'ai compris pourquoi c'était pas bien ce que j'ai dit. Pardon. Ah, oui, et avant que j'oublie, pour la dame de la maison. La recette préférée de votre mère. Je la fais presque toutes les semaines. Je pense à elle à chaque fois. Merci. Mais on peut pas cuisiner. On n'a toujours pas d'électricité. Ah ouais. La boîte à fusibles est morte. C'était un des trucs qu'il fallait que je vienne réparer. Elle est où? Je peux m'en charger. Oh, j'en doute pas. Mais... Ça fait 20 ans que je remets régulièrement ce bazar en marche. Je vais t'aider. Ok. C'est dans la grange, par ici. D'accord, on te suit. Grand art, ses excuses. Allez, on a besoin de courant. Alors sois gentil avec le monsieur. Mais il est gentil, j'aime bien. Franchement, j'aime bien Sam. Il est gentil. Il est pas méchant. Enfin, j'aime bien, moi. On va faire quoi? Que doit-on faire? Sinon, ça va? L'école? J'ai fini mes études, en fait. Dans l'environnement. Oh, l'environnement, hein? Eh ben, heureusement que je suis passé, dis donc. Tu sais que c'est moi qui ai construit cette grange? Tu l'aidais bien, notre mère, hein? Ben, je faisais quelques petits travaux, ouais. Ça me faisait plaisir. Ta mère, elle... Je pouvais pas la laisser dans la galère, tu comprends? Bref, faut que je retrouve cette clé. Ouvre la porte. Et donne-nous nos clés. Toutes cette fois. En fait, je me disais que j'aurais encore des petites réparations à faire. Merci, on gère. Merci. La porte est capricieuse, faut le savoir. Je croyais que t'entretenais les lieux. T'as pas huilé les portes? Quoi? Ouais, enfin, je passe pas mes journées ici non plus, hein.
Laisse-moi essayer, fiston. Je gère. Tourne-la aussi loin que tu peux vers la gauche, puis donne une secousse. Fais chier. Et merde. Ah, bravo, il casse tout. Réparé. Ah, ok. Mettre les fusibles dans les prises. C'est pas bien compliqué. Placer la fusible de 15 ampères. J'ai pas compris. Non, putain. Attends, il n'y a pas des instructions. Attends. Allez, putain, je vois rien. Lire. D'accord, on comprend rien ce qu'ils ont dit. 1, 2, 3, 5, 6. J'ai réparé le tableau électrique, je dois filer, mais si jamais tu veux vérifier, attention à ne pas surcharger les circuits. Tu dois utiliser les fusibles de 15 ampères pour le garage. L'ampérage total de la maison est de 120 ampères. Sam, je suis allé faire de toi... Hein, alors attends, tu dois utiliser les fusibles de 15 ampères pour le garage. Les garages, c'est où? Garage, c'est le numéro 6. Très bien. Sauf que le numéro 6 est déjà pris, c'est déjà 15 ampères. Donc là, 15 ampères également, ça c'est celui du garage. C'est 120. Du coup, si on fait 15, 15, 15 partout. Celui-là peut-être. Attends, je comprends pas. Bon, c'est pas ça. Écoute, je vais à mon rythme. Faut que j'apprenne, ok? Ok. Allez, femme. Faites ça ici, ça. T'as lu la note à côté de la boîte? Ouais, je comprends pas, en fait, ce qu'ils veulent. Donc lui, il est bon, lui, du coup. Puisqu'il brille. Sauf que lui, je ne comprends pas pourquoi. Garage 6. Mais du coup, il disait quoi? Si jamais tu vérifies, attention de ne pas surcharger les circuits. Tu dois utiliser les fusibles de 15 ampères pour le garage. L'ampère total de la maison est de 120 ampères. J'ai respecté le code couleur. Chaque fusible doit être lié à un câble de la bonne couleur. D'accord, j'avais pas vu. Donc lui, il est pas noir. Donc lui, c'est lequel? Lui, il est blanc. Donc blanc, blanc, c'est 15. Rouge, j'imagine que c'est combien? C'est 30. Et du coup, j'imagine que jaune, c'est le 20. Voilà. Non. Non, 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 non. Donc blanc, c'est 15 hors pair. Et du coup, 20 hors pair, c'est en jaune. Et du coup, techniquement... Ça a l'air bon. Ok, voilà. J'avais pas vu, en fait, pour les couleurs. Est-ce que ça va? Vous avez l'air de gérer ça comme des pros, alors. Salut. Mais qu'est-ce qu'il a? Il s'est passé quoi, là? Bah, je sais pas. Prédarep. C'est quoi? Oh, quoi? Surtout, va pas en renverser sur toi. Ça sent le vécu. Qu'est-ce que ça fait là, surtout? À quel moment? Il y a de la pisse de loup dans notre grange. Si c'est un truc sexuel, me dis rien. T'es bête. En fait, ça repousse les prédateurs. Et les rats. Oh, charmant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette épave? Désosser et vendre les pièces. Fais-toi plaise. Allez, fais-toi plaise.
Fais-toi plaisir. Moi, je vois qu'un tas de ferraille. Tas de ferraille, tu peux rapporter. Ouais, mais on peut pas parler à Sam ? Parce que c'est bizarre qu'il soit parti comme ça. Encore sa voiture. Ok, on peut pas rentrer dans la maison. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut parler à Sam ? J'ai pas l'impression que Sam... Je pense que Sam a disparu. C'est bizarre. Pourquoi... Je sais pas pourquoi il est triste, Sam, comme ça. Il est pas là-bas ? Parce que j'aimerais bien... Non. Il n'est pas là-bas. Non, mais je pense que tant pis, on peut pas... Tant pis, on ne peut pas aller voir Sam. Ah, oh, je suis deg, j'aurais bien aimé, en vrai. Salut, ma jolie. Si on habite ensemble, il faut que tu saches que les araignées sont interdites chez moi. Je refuse de tuer une araignée. Ah, bah tu les mettras dehors, alors. Je vais faire quoi ? On sait pas ce qu'on doit faire. Que doit-on faire ? Ah ! Je me demande pourquoi Sam est si contrarié. J'imagine qu'il avait oublié de racheter du whisky. Quelque chose le tracasse. Il y a sûrement quelque chose qui l'a bouleversé. Ah, trop bien. Je vais me faire une caisse à outils de compète. Génial. Bon. Hey, regarde ça. C'est là qu'elle fabriquait tous nos jouets. Rouleau de PQ vide, comme elle était super douée. Elle savait dessiner, écrire, faire des photos. Elle aurait pu être artiste, au lieu de venir s'isoler comme ça ici. Ouais, mais que dois-je faire ? Allez mec, je ne sais pas quoi... Allô ? Je sais pas quoi faire. Faudra peut-être m'expliquer, je sais pas. Genre, allô ? Allô, allô ? J'ai pas de menu. Tu sais qui c'est ? Ah. Enfin, on a un truc. T'as trouvé quoi ? Est-ce que tu sais qui c'est ? Oui. C'est Carole, la mère d'Eddie. J'ai vu d'autres photos d'elle, mais... celle-là, jamais. Wow, t'as vu Brown ? Et Marianne, elle a l'air super heureuse. Je peux ? Fais gaffe, le verre est... Aïe ! Cassé. Est-ce que ça va ? Ça pique. Allons voir maman. Mais elle va nous gronder ! On n'avait même pas le droit d'être là ! Allez, viens, ça va s'infecter sinon. Je veux pas. Elle a dit de pas les déranger, elle et Eddie. Où est-ce que tu vas ? Les choses étaient bien différentes lorsqu'elle était là. Tu faisais partie de la famille, Eddie. Comment t'as pu me faire ça ? Chut ! Écoute. J'étais obligé de le faire. De quoi ils sont en train de parler ? J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je sais pas, mais... je me rappelle que ce qu'Eddie devait faire, l'objet de cet appel, ça lui fendait le cœur. Ça lui fendait le cœur ? Il faisait le flic. Ça a énervé Marianne et elle l'a dégagé. Viens. Je vais te montrer ce dont je me rappelle. Là, près de la maison. J'étais obligé d'appeler. J'ai fait qu'appliquer la loi. Ah oui ? Et cette petite visite de courtoisie, elle dit quoi la loi à ce sujet, hein ? Écoute, j'avais pas besoin de venir jusqu'ici, mais je l'ai fait. Une saloperie d'hypocrite. Fiche le camp d'ici. Marianne... Fous le camp ! Dehors ! Quoi ? Mais elle lui a pas balancé la photo. Attends, t'es sûr ? Il jouait bien le connard quand même. Comment tu peux être sûr ? On faisait qu'écouter. On voyait presque rien. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Oh ! Vous m'emmerdez, vous, là. Les tourtereaux.
Ce souvenir. Allison a l'air d'être très sûre. Donc, Allison a l'air d'être extrêmement sûre de ce qu'elle dit. Sauf que je sais pas si je fais comme la première fois. Écoute. J'étais obligé d'appeler. Je devais suivre la procédure. Faire mon devoir de policier. Ouais. Ouais. Je sais pas où aller. Je ne sais pas du tout où aller. Bon, on va le remettre, hein, mais bon, c'est bizarre ça quand même. Écoute. C'est bizarre de fou, c'est bizarre. Après, est-ce qu'elle aurait jeté la photo ? Faire mon devoir de policier. Alors pourquoi t'es venu ici ? C'est pas la procédure, ça, que je sache. Je voulais te le dire de vive voix. Va-t'en, s'il te plaît. Marianne. Je suis désolé. Va-t'en, je te dis. Comment ça se fait que tous nos souvenirs diffèrent autant ? C'était il y a longtemps, tu sais. Et la mémoire est parfois capricieuse. Attends. Ça s'est passé quand ? Je sais pas trop. Je crois que c'était le jour même où elle t'a attaqué. C'est bien ce que je pensais. Mais bizarre. Eddie disait qu'il avait pas vu Marianne depuis des semaines. Ouais. Bon, il a menti. Et c'était quoi cette histoire d'appliquer la loi ? Qu'est-ce qu'il venait faire exactement ? Oh. Aucune idée. Alors là, aucune idée. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Faut pas qu'on en tire de conclusion trop rapidement. Écoute, je sais qu'il s'est occupé de toi. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas mentir. Je n'imagine pas se montrer aussi froid avec Marianne, même si il faisait le flic. Moi, je peux. Mais qui sait ? La mémoire est parfois capricieuse, hein ? Choisir le... Marianne était malheureuse. T'es une sale... Je dirais malheureuse. Je sais que tu faisais ton job, mais tu peux pas rester là. Tu vas avoir des ennuis. Je t'en prie, sors de chez moi. D'accord. On dirait que Brown n'était vraiment pas à l'aise avec la nouvelle qu'il devait lui transmettre. N'empêche que c'était le jour où elle nous a attaqués. Et il a menti. On fait quoi ? On va le voir et on lui demande des explications. Tout de suite ? Oui. Je vais chercher mes clés de voiture. Qu'est-ce qu'elles vont devenir sans nous, ces montagnes d'ordures ? Rien à foutre. Merde. J'en reviens pas que Brown ait menti. C'est vrai, je suis pas son fan numéro un. Mais d'habitude, il rigole pas avec la vérité, la loi et tout ça. T'es obligé d'avoir l'air si heureux. Quoi ? Je sais que c'est exactement ce que t'attendais. Une preuve qu'Eddie est un salaud. Mais t'en réjouir comme ça, c'est pas cool. Oh, c'est Tina, il faut que je réponde. Oui. Deux secondes, je me gare là. Bon, ben je vais faire un tour alors. Non, c'est... J'en ai pas pour longtemps. Bon, Tina, qu'est-ce qui se passe ? Salut ma grande ! J'ai trouvé des gens qui seraient très intéressés de voir la maison. Oh, mais c'est génial ! Quand ? Ils sont dans la région pour quelques jours seulement, donc ils aimeraient y jeter un œil après-demain. Oh, je sais pas si tout sera prêt. Ma grande, le type est vraiment motivé. Mais je sais qu'il regarde d'autres maisons. Et pour la tienne, ça se bouscule pas vraiment au portillon.
Je comprends bien, mais on a encore beaucoup à faire. Est-ce que je t'ai dit qu'il voulait payer en cash ? Bon, attendez les amis, écoutez, on va s'arrêter pour cette vidéo, 45 minutes, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour la suite de notre aventure sur Tell Me Why, pour la suite du chapitre 2. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu, et on se retrouve très très bientôt pour la suite de notre aventure sur le chapitre 2 de Tell Me Why. Allez, bye bye tout le monde, et portez-vous bien, ciao ciao.